J'assure l'interface entre le top management du siège et puis les directeurs financiers des filiales sur des problématiques économiques. Le but, c'est en fait de proposer des axes d'amélioration qui se basent sur l'expérience de notre réseau de 45 aéroports. Je gère les aéroports au Japon, au Cambodge, à Belfast et à Stockholm. La diversité culturelle, la dimension internationale, le fait de pouvoir aller à la rencontre des différents interlocuteurs de nos filiales et comprendre leurs spécificités. Je dirais de la rigueur, avoir un bon relationnel, avoir le sens des priorités. Alors c'était une expérience très enrichissante, c'était la première fois que je mettais les pieds au Cambodge, dans mon pays d'origine. C'était là aussi la première fois que j'avais affaire au monde aéroportuaire, donc c'était vraiment très intéressant. Alors j'ai fait une classe prépa, une école de commerce. Ensuite j'ai enchaîné directement avec mon VIE au Cambodge et je suis restée 11 ans, à la suite desquels j'ai demandé une mobilité interne au sein du groupe Vinci Airports pour rejoindre les équipes du siège. Pas du tout. Mais ce qui est bien, c'est que justement, j'ai pu découvrir dans un aéroport, dans une filiale et via trois plateformes différentes au Cambodge, le monde de l'aéroportuaire. C'est une boîte très dynamique, avec beaucoup de projets transverses, beaucoup de problématiques variées. Il y a une vraie diversité culturelle de par notre implantation dans le monde entier. Et c'est un groupe avec des valeurs fortes. De très bons ingrédients. Et voilà, une touche d'amour. Soit au siège, soit dans une de nos filiales dans le monde entier. Être curieux, être force de proposition, et puis identifier ce qu'il aime et vraiment approfondir sur cette voie. Nienkhnyom som orkon, haoi basantimien som no aipseng, aïtatom mokhnyom kobandai.